ไม่ได้เป็นนักมวยแชมป์โลกแชมป์เมืองไทยอะไรบ้างเลยก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรในการชกมวยครับÉtant donné que je sais que Muay Thai c'est un guerrier, je pense que je peux le battre, en tout cas je ferai le maximum. Mais j'ai aucun doute là-dessus, je vais venir pour la gagne, je vais venir pour gagner. ใช่ครับแฟนมังกรครับเริ่มชกมวยมาตั้งแต่อายุ11ขวบก็มีชกบ้างหยุดบ้างเคยท้อเคยหยุดเคยจะเลิกไปหลายครั้งแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมาอยู่กับมวยเหมือนเดิมตอนแรกที่ว่าเริ่มชกมวยก็เป็นพ่อครับพ่อเป็นคนอยากให้เป็นนักมวยตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าจะได้แกบอกว่าเป็นนักมวยนี่จะทำให้เราแข็งแรงแล้วก็จะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับพวกยาเสพติดผมไม่ได้เป็นนักมวยแชมป์โลกแชมป์เมืองไทยอะไรบ้างเลยก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรในการชกมวยครับแต่ว่าก็ภูมิใจครับทำให้มีชื่อเสียงแต่ตัวเองแล้วก็ทุกคนรู้จักครับต่อยคนไทยต่อยฝรั่งนี่มันบางทีก็ต่อยยากครับต่อยฝรั่งไม่ใช่ต่อยง่ายครับฝรั่งสมัยนี้ต่อยยากไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนฝรั่งมาใหม่ๆไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวนี้นี่ดูถูกเขาไม่ได้ครับอาวุธเขาฝึกซ้อมมากเขาออกได้ทุกอย่างคนไทยเราไม่ค่อยได้ฝึกเหมือนเขาการออกอาวุธแต่อาศัยว่าประสบการณ์เยอะครับเขาก็เก่งครับทุกวันนี้เขาก็เก่งไปชกมานี่ก็บางทีก็เป็นเกี่ยวกับดับปิกาแล้วก็คะแนนก็บ้านเขากับบ้านเรามันไม่เหมือนกันมันไม่มาตรฐานเหมือนบ้านเราบ้านเราดูความแข็งแรงดูรูปมวยการคุมเกมแต่บ้านเขานี่ไม่ใช่อาวุธจะมั่วจะโดนจะผิดอะไรก็ช่างไม่เสียBonjour, bienvenue en France, plus précisément à Strasbourg. Je m'appelle Steve Valente, j'ai 31 ans.
pratique le Muay Thai depuis l'âge de 15 ans. Donc ça fait 16 ans que je pratique le Muay Thai. J'ai actuellement 102 combats pour 10 défaites. J'ai environ 40 victoires à la limite et je suis champion du monde WKN actuellement. Mes deux derniers combats, je les ai faits contre Shimsi Bekiri lors d'un championnat du monde. Et dernièrement, j'ai également affronté le Hollandais Ice Said lors d'un dur combat que j'ai fait à Lyon. J'ai toujours baigné dans les arts martiaux. J'ai commencé d'abord par le judo à l'âge de 5 ans. Et puis mon père pratiquait la boxe française, donc c'est lui qui m'a amené à mes premiers entraînements de boxe. J'avais commencé par ça, par la boxe française. Et suite à ça, j'ai découvert le Muay Thai. Je suis tombé amoureux de cette discipline par rapport à tout ce qu'il y a autour. C'est pas uniquement le sport, mais c'est beaucoup l'art martial en lui-même et toutes les traductions qu'il y a autour. Donc une fois que je suis tombé dans le Muay Thai, pour moi, ça a été un grand coup de foudre, donc j'ai pas lâché prise depuis ce temps-là. Et depuis que j'ai commencé, je m'arrache d'arrache-pied pour essayer d'être au top niveau de cette discipline. Actuellement j'ai 31 ans, on va dire ma carrière elle est peut-être plus derrière moi que devant moi, mais je pense qu'il me reste encore de beaux défis à relever, surtout de gros combats. Dans le Muay Thai j'ai encore à prouver, c'est pour ça qu'affronter Non Sai pour moi c'est très important parce qu'il est au haut de l'échelle, mais ça me dérange pas. Après ça, par la suite, quand j'arrêterai ma carrière, mon but c'est de retransmettre tout ce que j'ai appris. C'est très important pour moi. Avec mon expérience des combats, avec mon expérience de l'entraînement, j'espère former des élèves, leur donner l'amour que j'ai eu pour ce sport, qu'ils s'entraînent comme moi, qu'ils soient sérieux comme moi. Et le but ultime, ce serait de former des élèves qui soient meilleurs que moi. Ça, ce serait vraiment un but à atteindre. การเตรียมพร้อมในครั้งนี้ก็ในศึกไทยแลนด์เวทยุโรปผมก็ซ้อมเต็มที่ครับตอนนี้ก็วิ่งซ้อมเตะเป้าปล้ำทุกอย่างพร้อมครับ ความพร้อมตอนนี้ประมาณ 60% แล้วครับ
ราต้องรีดความฟิตก่อนวันชกให้ได้ประมาณ 100% เลยครับเพราะร่างกายเขาฟิตอยู่แล้วครับผมมั่นใจนะเพราะเขาเดินสายประจำต่อยเมืองนอกประจำเขามั่นใจผมว่าให้ 90%ครั้งล่าสุดที่ไปชกเยอรมันนี่ก็เป็นผมคิดว่ามันพลาดมากกว่าครับก็เสียใจอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้จะทำไงเพราะมันผิดพลาดไปแล้วคิดว่าประสบการณ์ตรงนี้มันช่วยในการชกกันในครั้งนี้ครับเก็บแก้ไขครับอยากจะฝากเตรียมตัวให้ดีแล้วกันครับเจอกันในครั้งนี้ก็เต็มร้อยครับJe suis né à Strasbourg, j'y ai passé toute ma vie. Donc Strasbourg est une belle ville où il y a une belle architecture, avec une architecture variée selon le centre-ville ou l'extérieur de la ville. Donc il fait bon d'y vivre. Je suis content également que mes enfants y grandissent, parce que franchement c'est vraiment une belle ville. Oui, je suis le père de Steve, donc je suis très content de ce qu'il fait, ce qu'il fait dans la vie, ce qu'il fait dans la boxe, dans le Muay Thai. Oui. Donc, et la Muay Thai, c'est quelque chose que ça lui a toujours plu de faire. Il y a d'autres sports pieds-poings, mais la Muay Thai, c'est vraiment ce qui l'a accroché le plus et ce qu'il aime le plus. D'ailleurs, on voit un peu son palmarès. Qui est pas mal du tout. Accroche-toi bien, accroche-toi bien. Fais gaffe, hein. Puis voilà, franchement, il y a de quoi faire ici. Il y a un bon développement à faire. Et je m'y plais. Donc en Alsace, ici, on est bien. Donc c'est ici que je pense que je finirai mes jours. Je suis très content de pouvoir participer au Thaïlande vs Europe. Donc je vais représenter la France. C'est une grande fierté pour moi de pouvoir représenter la France. En plus, ça sera pas très loin. Ça sera à 2 heures de route. Je pourrai ramener mes supporters.
J'espère avoir tous mes amis à côté de moi pour ce gros fight. J'ai vraiment hâte d'y être et de pouvoir représenter le pays qui m'a vu grandir, la France. Et j'espère bien m'imposer pour ma famille et pour mes amis. Donc voilà, moi et Nonsai, ça va se faire. Prochain gala, Europe vs Thaïlande. Donc je pense que ça va bien donner. สำหรับผมลูกศอกกลับนี่ไม่ได้ทำได้ผมตลอดเวลาได้แค่ครั้งเดียวแค่นั้นนะครับสำหรับทุกครั้งเดียว Nonsai, rappelle-toi. Tu risques de prendre le même.